Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo hors série au marché de Noël de Strasbourg. Au marché de Noël de Strasbourg. Bon, c'est notre région, donc on s'est dit qu'on allait un petit peu mettre en avant ce qui s'y passe. Et vous faire profiter. Et on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à découvrir sur Strasbourg, dans les allées et les marchés. Profitez bien. À plus tard. Il n'a pas trop de miel, il est à 5% de miel. Donna.
Thank you.
C'est toutes les pommes d'amour, les Bredeleux, les Meneleux, les Springerneux, les Schnackalan, les Zouk-Zouk Nougat. Mais qui a bien pu faire ça, demande un autre marchand. Qui a bien pu faire ça? Quel con! C'est la fée Christkindl qui sauvera le marché de Noël. Saint-Nicolas, crient les uns. Christkindl, répète les autres. Le Christkindl distribue des friandises à tous les enfants à l'occasion des fêtes de Noël, dit un enfant. Le Saint-Nicolas a sauvé des enfants du méchant boucher, répond un autre. Le Christkindl a une baguette magique. Le Saint-Nicolas a une crosse magnifique aussi. Une fois la nuit tombée, dans un ciel où aucune étoile ne brillait, deux lumières jaillissantes apparaissent. C'est le Saint-Nicolas et le Christkindl. Ils ont entendu l'appel des enfants. Et viennent donc pour les aider à retrouver toutes les marchandises dérobées du Christkindl Smeric. Pendant ce temps-là, c'est la tempête de neige sur les sommets des Alpes. Quelle est donc cette forteresse dans les montagnes? C'est le château de Berwartstein. C'est là que se cache Armstrong avec son cheval noir. Et surtout les nombreux trésors du Christkindl Smeric qu'il a dérobés et soigneusement cachés dans la forêt sombre. Alors que le jour se lève, les marchands arrivent pour ouvrir leur chaîne. Quelle bonne surprise! Les chalets sont de nouveau remplis de jouets, de bougies, de boules de Noël, de friandises à déguster. Le Christkindl Smeric peut commencer. Et c'est ainsi que le Saint-Nicolas et Christkindl, accompagnés de leur fidèle compagnon Pécassel, ont sauvé le marché de Noël des mains de Villa Armstrong il y a fort longtemps. Depuis, chaque année, il veille sur la Christkindl Smeric, sur ses nombreux jouets et décorations, et bien sûr, sur ses friandises délicieuses. Et pour toujours, ils ont rallumé les étoiles sur Strasbourg. Ça, c'est la collection. Quoi faire? Thank you.